Ce sont de grandes sépultures, 80 cm contre 40 pour la plupart des sépultures que l'on retrouve ici, avec donc deux individus, la question étant de savoir si ces deux individus ont été inhumés simultanément ou si un dépôt est venu se faire après un autre. Ce qui est intéressant également sur cette sépulture, c'est la position des individus. On n'est pas dans ce qu'on appelle le décubitus dorsal, c'est-à-dire ils ne sont pas sur le dos. On a terminé une phase de fouille pluriannuelle de 3 ans qui s'est achevée l'année dernière avec l'étude des éléments structurants principaux du Mont-Châtel, à savoir le système défensif avec le rempart, la fouille de quelques habitats, la reconnaissance d'une église, puis d'une deuxième, ça avait été une surprise. Et là, on attaque de nouveau une triennale avec pour objectif l'étude, cette fois-ci, de ces édifices religieux. Vous avez juste à côté de moi ici une pièce qui a été ajoutée, agrandie à cette église avec une fonction funéraire, avec des tas de sépultures. 3 autres pièces qui s'enfilent au nord, une funéraire et 2 autres pour d'autres fonctions. On voit qu'on a affaire à un plan préétabli d'avance et pas des bâtiments qui s'ajoutent comme ça au fur et à mesure, au fil de l'occupation. On va s'intéresser à l'église funéraire et son contenu. Qui sont les personnes enterrées dans cet édifice? Où sont-ils enterrés? Avec quel type de contenant? Des sarcophages, des tombes à dalles, des tombes qui sont construites en même temps que l'édifice, donc c'est tout à fait particulier. Et donc l'objectif, au final, au bout de ces 3 ou 4 années qui viennent, ça va être de comprendre quelle est la population du Mont-Châtel. Jusqu'à présent, on était resté sur des fouilles superficielles d'une vingtaine, trentaine de centimètres de profondeur. Et cette année, on rentre, si je puis dire, dans le vif du sujet, puisqu'on a des élévations vraiment tout à fait exceptionnelles, des murs d'un mètre à 1,30 m de hauteur, ponctuellement conservés, toutes les tombes maçonnées, agencées avec des dalles verticales, avec des murets, avec des couvercles, parfois des doubles couvercles. Pour cette fouille-ci, on a commencé par enlever les dalles qui se trouvaient dessus. Donc une phase ensuite dite de décapage un peu plus rapide avec la truelle. Et dès qu'on arrive sur les premiers ossements, on utilise donc des outils de dentiste, mais également l'aspirateur, qui permet en fait d'aspirer le sédiment plus rapidement, surtout quand on a des fosses quand même assez profondes. Ça évite notamment de faire bouger les os. Et ça donne aussi des sépultures beaucoup plus propres. Et là on voit les petites raies là. On prélève en respectant les zones anatomiques du squelette. On va prélever le crâne séparément. Ensuite, on va prélever ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, c'est les omoplates, les clavicules. Ça va permettre une lecture plus simple du squelette, parce que quand il va arriver au lavage, il sera déjà réparti par ses sections. Et ensuite, on va le laver, le laisser sécher, et l'anthropologue pourra à nouveau réétudier les os, par exemple les mesurer, faire des observations s'il y a eu des maladies, des fractures ou ce genre de choses. C'est la progression de la fouille effectivement qui nécessite de toujours adapter les méthodes à son travail. Certains objets sont très fragiles et ne peuvent pas être prélevés directement. Donc il faut évidemment prendre toutes les précautions, toutes les mesures pour les sortir de la tombe en les préservant au mieux possible. Et pour certaines garnitures de ceinture, on est obligé de les plâtrer sur place, de les sortir en motte, en les référençant toujours par rapport au squelette et à la tombe, pour pouvoir les confier au laboratoire de restauration des métaux. Le rôle premier de l'archéologue, c'est de toujours restituer le patrimoine, l'histoire qui sort de terre et la restituer au public à travers une exposition en cours de fouilles, ce qui est tout à fait exceptionnel et très intéressant pour les habitants ou les gens de passage. Ils ont la possibilité de voir à la fois un chantier de fouilles et l'exposition en cours. Alors là, on est dans la deuxième église, l'église dédiée au culte. La chose qu'on a trouvée qui est très belle, c'est cette pierre de sol, grande dalle sur laquelle on marchait.
C'est la seule qu'on ait encore. Voilà, ça n'a pas été retiré, ils ne sont pas partis avec, ils l'ont laissée. Sans doute parce qu'elle était abîmée, quoi, cassée. Mais nous, on est très, très contents parce que c'est la seule qu'on ait. On est parti, je dirais, de rien, puisque le site n'était même pas connu, complètement anonyme, complètement oublié sous ce couvert forestier. Et là, au bout de 4 ans, on commence à prendre la mesure de l'investissement nécessaire à la construction de ces édifices, en particulier ces églises, dont on voit les élévations très conséquentes, remarquablement conservées pour la période. On accède aussi à tous les gestes funéraires, alors du fossoyeur, des proches, des réinterventions dans les tombes. On s'approche réellement au plus près des vivants, si je puis dire, à travers les morts, quoi, à travers les squelettes.